Roman Reigns est un lutteur professionnel américain qui a une valeur nette de 12 millions de dollars. Bien que Roman Reigns ait eu un passage en tant que joueur de football professionnel, il est probablement mieux connu pour sa carrière de lutteur professionnel. Il est associé à la marque SmackDown de la WWE et se produit sous le nom de scène Roman Reigns. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, Roman a fréquenté Georgia Tech et a eu une brève carrière dans la NFL avec les Vikings du Minnesota et les Jaguars de Jacksonville. Il a ensuite passé une saison dans la LCF avec les Eskimos d'Edmonton avant de se retirer du football. Contrairement à sa carrière de footballeur terne, Reigns a connu beaucoup plus de succès à la WWE. Il est trois fois champion de la WWE et il a détenu le championnat universel de la WWE à deux reprises. Parmi les autres réalisations, citons le championnat WWE Intercontinental, un championnat WWE Tag Team et une victoire au Royal Rumble 2015. De plus, il a été nommé Superstar de l'année en 2014. Roman est considéré comme l'un des meilleurs lutteurs du monde, mais il n'est pas toujours le plus populaire. Sur une période de 6 ans qui s'est terminée en 2020, Reigns a été présenté comme le nouveau visage de l'entreprise. Cependant, les fans et les critiques ont repoussé cela avec une véhémence considérable. En conséquence, Roman Reigns est devenu un personnage méchant à la place, et ce personnage a été bien mieux accueilli par le public. Début de la vie, Litty Joseph Anoa'i est né le 25 mai 1985 à Pensacola, en Floride. Élevé dans une famille aux racines italiennes et samoanaises, le père de Reigns et son frère étaient tous deux des lutteurs professionnels. Il est également lié à un certain nombre d'autres lutteurs professionnels. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, il a fréquenté le Georgia Institute of Technology et s'est spécialisé en gestion. Pendant ses études universitaires, il a également joué au football pendant 3 ans et a finalement été nommé joueur défensif de l'année. Carrière de footballeur. Le succès de Roman en tant que joueur de football universitaire l'a amené à être repêché par les Vikings du Minnesota de la NFL en 2007. Malheureusement, son diagnostic de leucémie a écourté sa carrière et il a été rapidement libéré par les Vikings. Bien qu'il ait signé avec les Jaguars de Jacksonville, ils l'ont également abandonné avant la saison 2007. Cela étant dit, il a passé une saison à jouer dans la LCF avec les Eskimos d'Edmonton, disputant 5 matchs. Il a ensuite été libéré par les Eskimos et a pris sa retraite du football en 2008. Carrière de lutte. Roman a signé avec la WWE en 2010 et a commencé à se frayer un chemin à travers leur territoire de développement, la Florida Championship Wrestling. Il a fait ses débuts en 2010 et est finalement devenu un personnage méchant et a adopté le nom de Roman Reigns. En 2012, Roman est apparu dans la liste principale de la WWE en tant que membre de The Shield. À ce stade, il avait été rebaptisé en tant que personnage héroïque qui luttait contre l'injustice. Reigns a été un personnage controversé au sein de la WWE pour un certain nombre de raisons. Lorsqu'il est apparu pour la première fois en 2012, il a été décrit comme « l'un des produits les plus précieux de la WWE », mais les fans n'étaient pas toujours d'accord avec ce sentiment. En 2014, la WWE a été accusée d'avoir truqué les votes en faveur de Reigns, et il a été fortement critiqué pour son jeu limité. Tout au long de 2015, il a été fortement hué et les fans ont estimé que la WWE le poussait trop fort pour devenir le visage de leur marque, indépendamment de ce que leur public ressentait réellement pour lui. En 2016, la WWE a même diffusé de faux bruits d'encouragement pendant que Roman entrait sur le ring afin de cacher les huées. À ce stade, plusieurs anciens lutteurs encourageaient fortement la WWE à transformer Reigns en un personnage méchant. Plus tard en 2016, Reigns aurait allumé la foule après l'arrêt de la diffusion, leur criant avec colère. Les choses sont allées de mal en pis lorsque Roman Reigns a été suspendu par la WWE pendant un mois après avoir violé leur politique de bien-être. Il n'a jamais été révélé exactement pourquoi Roman a été suspendu, mais le consensus général est que cela était dû à une sorte de violation de drogue, soit de la marijuana, de l'adderall ou des stéroïdes, selon à qui vous demandez. Au fil des années, les fans ont continué à être incroyablement antipathiques envers Roman. À WrestleMania 33, Reigns a été hué sans pitié avant, pendant et après l'événement principal. Les gens ont crié des jurons et des commentaires tels que « tu es nul » et « va-t'en ». Ces commentaires pouvaient être entendus même si la WWE tentait désespérément de se tourner vers les microphones pointés vers le public en direct.
Dans une tentative ridicule de faire tourner l'histoire, la WWE a affirmé que ces individus huaient parce qu'ils aimaient Roman Reigns. La foule est finalement devenue plus sympathique envers Reigns après avoir reçu un diagnostic de leucémie pour la deuxième fois après une période de 11 ans en bonne santé. Cependant, les acclamations étaient encore relativement rares. Il a ensuite annoncé que sa leucémie était en rémission, ce qui a été accueilli positivement par la foule. En 2020, la WWE a finalement cédé et reconditionné Reigns en un personnage plus méchant connu sous le nom de « The Tribal Chief ». Ce personnage a reçu un accueil beaucoup plus positif de la part des fans. Cependant, les fans ont continué à le huer. Des relations. Roman Reigns a épousé Galina Joel Baker en 2014 après l'avoir rencontrée pour la première fois pendant leur séjour ensemble en tant qu'étudiant au Georgia Institute of Technology. Ils ont ensuite eu 5 enfants ensemble, dont 4 jumeaux. Problèmes médicaux. Roman Reigns a lutté contre la leucémie au cours de sa vie, après avoir été diagnostiqué avec la maladie à 2 reprises. De plus, il s'est cassé le nez lors d'un match contre Sheamus et a dû subir une chirurgie reconstructive nasale. J'espère que vous avez apprécié cette merveilleuse vidéo. Cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas d'aimer.